Et salut à toutes, c'est Rouyan, j'espère que ce serait Valiga. Aujourd'hui on se retrouve pour la semaine Inter Pro avec le FC Séville et non Brest. On va jouer dans ce match 3 matchs, 2 matchs face à Malmö au barrage Ligue des Champions et un match face à un championnat face à Gijón. Donc c'est les barrages Ligue des Champions face à Malmö, l'ancien club à Zlatan. Donc si on gagne ces deux matchs, on se qualifie en tout cas, on pourra jouer la Ligue des Champions au bout de seulement 2 ans, deuxième carrière, enfin deuxième année. Donc on va pas perdre plus de temps que ça les gars, donc on va juste partir pour le match à l'extérieur. On est parti, un dispo, un seul attaquant, je suis pas trop fan, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve pour la meilleure version de ce match, let's go! Et le pressing les gars, bon, pour l'instant 10 minutes où voilà, on a joué, bien joué, repartir, on fait le pressing les gars. On fait le pressing, quand on a le ballon, voilà, on joue collectif. Après c'est que le dispo avec un seul attaquant. Oh la récupération! Oh la récupération! Oh la passe avec Banega! Banega! Oh, exceptionnel! Dommage, la première occasion n'était pas loin de marquer. Déjà le 10 points, un seul attaquant, voilà, je sens que ça va être compliqué, je vais me sentir un petit peu seul parfois. Surtout si voilà, j'ai l'impression que je joue assez bas en plus, donc bon, on verra les gars. Attention les gars au centre. Attention. Allez les gars, attends, on joue vraiment défensif, on est tous dans notre camp. On est tous dans notre camp, c'est abusé. Et, putain. Attention le centre. Oh la tête, oh, transversal. Oh là là, c'est chaud. Attention la reprise. Complètement raté. Mais tain, on joue vraiment bas et en plus je suis dans un système de jeu avec un seul attaquant de pointe, je suis tout seul devant. Ça va être la galère hein, parce que voilà, je peux pas attribuer tout le monde et c'est pas si simple que ça les gars, allez. Ok, il y a mi-temps, 0-0 pour le moment. On a eu une occasion, on a fait un tiers, ouais bon, le tiers pas très dangereux. Mais ouais, on a eu une occasion où j'ai failli faire une passe décisive. Et après Malmo a eu aussi une grosse occasion, donc on va dire une belle grosse occasion de chaque côté. De tir à 3, ouais, voilà, c'est assez équilibré. Bon, je trouve qu'on joue un petit peu trop bas et je me sens un petit peu esselé en attaque, mais espérant que ça change deuxième mi-temps. Mais voilà, on va voir. Donc, on est reparti pour la deuxième mi-temps, d'accord, ça commence bien. L'espoir en débute, parce que le but extérieur nous ferait beaucoup de bien. Et vas-y, passe, allez. Allez, pourquoi pas un centre, je sais pas, essayer d'amener le danger là. Et un corner, les gars, le corner, allez. On s'enflamme parce que là, en deuxième mi-temps, il se passe vraiment rien. Et le corner, on demande la balle, attention c'est dégagé, reprise! Oh, je comprends! L'ouverture du score les gars, 78e minute de jeu, qu'est-ce qu'il est important ce but à l'extérieur et qu'on double! Oh là là, ça fait plaisir, ça fait plaisir! Parce que ça sentait vraiment 0-0, franchement, ça c'est vraiment pas grand-chose. Surtout en deuxième mi-temps, la défense qui a vraiment mal dégagé. Et c'est Vitolo, il me semble, ouais, Vitolo qui ouvre le score. Bien joué les gars, 1-0, continue comme ça les gars. Non, faut tenir. Allez, cours, 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 cours. Oh putain. Allez, il est cramé mon joueur, il a du mal, il est fatigué là. Ah ok, bon, le coach nous fait sortir. Je pense qu'il nous fait préserver pour le match retour. Parce que bon, là, il n'y a que 1-0, donc on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri tout simplement. Donc après, peut-être qu'il y a eu d'autres buts, on sait jamais. On va voir ça tout de suite. 3-0! Oh là 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 là, 3-0 les gars. La branlée. Ok, il y avait 1-0 jusqu'à la 85e minute et en 5 minutes, j'arrive à marquer 2 buts. Donc, les potos, dites-moi si je gêne. Hein. Si c'est moi qui gêne, je me casse. Hein. Oh putain. Bon, enfin, au plus du putain, mais. C'est dommage, ça tue le suspense, je trouve. Je trouve que c'est pas réaliste parce que le problème, c'est que ça fait ça souvent. T'as beau sortir à la 90e, il peut marquer 3 buts dans le conditionnel alors que c'est pas du tout réaliste, quoi. Donc, ouais, bon après ça tue clairement le suspense, mais c'est une bonne chose aussi parce qu'on est comme sûr de jouer Ligue des Champions cette année avec le FC Séville, donc ça va être chaud de naviguer entre Ligue des Champions plus ce championnat. Parce que le FC Séville n'a pas forcément un effectif de ouf, enfin à naviguer entre deux, je sais pas, on verra. Donc on a 100% de forme, donc on va pouvoir jouer ce match, les gars. Donc on est parti, on joue à domicile, premier match à domicile, ce serait bien de marquer, parce qu'on a toujours pas marqué. On a fait qu'un match, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match, let's go les gars. Mais putain, on est vraiment nul, on est vraiment nul, clairement, là, il n'y a pas de mots. Comme des bateaux sur la frappe, oh, transversal. Oh, c'était chaud, les gars. Transversal, on est vraiment en galère dans ce match, clairement. Heureusement qu'on a gagné 3 euros au match aller. Parce que là, c'était son gardien. Il est tombé par terre, il n'y a plus de gardien. Heureusement qu'il tire à côté. Mais je crois qu'on a fait encore une petite frappe. Donc la malédiction de faire aucune frappe à la première mi-temps est toujours là, les gars. Malgré, j'ai beau changer de club, hein, quitter Brest pour aller à Séville, voilà, ça sera toujours là, j'ai l'impression, parce qu'on a toujours fait aucune frappe. Enfin bref,
Mais voilà, le problème, c'est clairement, on est trop inoffensif. Attention, peut-être à la passe. Oh, bien joué, tir! Oh, il a... Oh non! Oh, il a freiné à moitié. Oh, dommage. Mais le problème, c'est que... C'est quoi? Je suis tout seul devant. On a un système de jeu qui est assez défensif de base. Alors, j'imagine même pas contre les équipes face au Real, Barça, en championnat. Bon, voilà, déjà, j'ai l'impression que je joue vraiment bas. Mais alors, contre des équipes aussi grosses comme... Non, bref. Non, mais face à des grosses équipes, je sais pas, on va jouer à deux derrière, à deux devant. Enfin, deux devant, genre. Enfin, non, je serais tout seul devant, simplement. Donc, bon, on a fait aucune frappe, comme je l'ai dit. Nous concentrons pour la deuxième mi-temps. C'est pas un des meilleurs. Ok, les gars, donc petite intervention dans la vidéo. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez des bons yeux. Comme vous voyez en dessous du score, il y a marqué 1-0. Donc, comme quoi j'ai gagné 1-0 l'aller alors que j'avais gagné 3-0, comme vous avez pu le voir. Sauf que malheureusement, je ne trouve plus l'enregistrement de la vidéo de la deuxième mi-temps. Remplacement immédiat Voilà, avec je sais pas une vidéo pourquoi il a sponsor. disparu comme ça. Donc voilà, vivement que j'achète un HDPV ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment la galère, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc je sais pas, il a disparu, il s'est volatilisé. Donc j'ai dû refaire les deux matchs, le match aller et le match retour. Donc pour le match aller, j'ai gagné 1-0. Vous avez pu le voir. Donc là, oh, attention, la frappe! Et le but. Je fais genre d'être surpris alors qu'en fait je suis pas parce que c'est pas en live. Mais donc voilà les gars, je vous prémière, donc c'est pour ça qu'il y a le 1 en dessous. Mais j'avais pas marqué au match aller. Donc au fur et à mesure que ce soit assez réaliste. Hein, donc même si j'ai remarqué, voilà, mais j'ai pas réussi à remarquer, enfin bref. Ça change pas grand chose au fait. Dans tous les cas je me suis qualifié, voilà, je vous spoil. De toute façon il y aura pas d'action après. Je spoil également. Donc on se retrouve tout de suite après les gars. Let's go. Attention les gars. Et le centre. Oh dommage, corner. Allez, un petit corner. Pourquoi pas marquer. Ok. Bon voilà, on est sorti les gars. Donc on se qualifie à part si en simulant ils ont marqué 3 buts. Donc comme j'ai dû vous le dire dans la vidéo, donc je pense que j'ai dû mettre un petit extrait comme quoi voilà, je vous ai expliqué pourquoi du comment. Que voilà, j'ai pas réussi à retrouver l'enregistrement de. Voilà, je peux pas expliquer vu que je sais que j'ai déjà expliqué parce que je sais que je serai assez intelligent pour le expliquer et que je vais pas oublier. J'ai confiance dans mes qualités du type cerveau. Enfin bref, donc on avance pour le match de championnat. Bon voilà, on s'est qualifié, hein, je me fais pas de soucis pour ça. On est appelé en équipe de France, ça m'intéresse pas les gars, je vais vraiment me concentrer sur mon club. Voilà, moi, je suis vraiment carrière pro, à part jouer une Coupe du Monde, pourquoi pas, mais bon, match amico, je m'en bats les couilles. Donc on est parti les gars pour l'élimination de ce match. J'espère marquer notre premier but, c'est parti. Voilà, là, il se passe pas grand chose encore une fois. Donc on a un mi-temps vraiment incroyablement incroyable, hein, de type plutôt sympathique. Voilà. J'ai toujours le même problème, le système de jeu. Je pense qu'il va me poser problème dans cette carrière parce que voilà. Un tir dans cette première mi-temps, c'était un tir pas très dangereux, hein. J'en ai même pas souvenir, pourtant je l'aurais vu qu'il n'y a eu qu'un tir. Allez, c'est parti Mais pour cette deuxième voilà, il se passe période. clairement rien, on va Un pas se but faire, on va pas se plus avec voilà, la première. lamenter, hein. Si c'est pas le cas, c'est la C'est de la merde, deuxième. c'est de la grosse merde, il n'y a pas d'autre mot les gars. Mais c'est vrai que voilà, je me sens vraiment seul devant et surtout Banega qui est. C'est Banega qui est titulaire, il joue en 10 derrière moi et il joue pas très haut, hein. J'ai l'impression qu'il joue plus en 6 alors qu'il est 10. Attention le 103! À leur compte. Oh là 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 là, c'était chaud. Première frappe tout simplement pour eux. Mais attends, on n'était pas en se prendre la but les gars. Mais ce serait pas démérité, parce qu'on peut bouger parce que là, faut jouer plus haut, je sais pas, sur les côtés ça bouge pas assez. Et il manque vraiment un buteur à côté de moi et je suis obligé de jouer en 6 pratiquement parfois pour chercher les ballons. Par contre ça s'est bien joué. Par contre DG technique et tout. Kiff au Brésil, kiff au football. Mais non, ça marche pas. Dommage, c'était plutôt bien joué. Première frappe pour nous, mais frappe, ouais, pas assez puissante malheureusement. Et voilà, au moins, attends, là il y a des trucs qui se passent déjà. Deux actions, c'est un truc de ouf. Là on commence à s'enflammer parce que deux actions, deux tirs en moins de 2 minutes, c'est. Enfin, en moins de 30 secondes. Je parle dans la vraie vie, pas de. Oh merde! Oh la violence! Oh non! Pas rouge! Oh ça va. Oh, je sais pas ce qu'il m'a pris, en vrai, c'était tellement tentant, j'aime trop tacler. Je crois que mon tacler, faire les tacles par derrière, je kiffe trop. Et je sais pas, mon envie était trop fort. Oh la vache, les deux pieds, oh putain, non, c'est rouge. Et je m'en sors vraiment très bien parce que ça, c'est rouge, mais direct. Direct, mon frère, il n'y a pas photo. Bon bah, il a été gentil, mais ouais, faut que j'évite
décide de tuer des gens. Parce que la prochaine fois, voilà, de tuer des gens sur un terrain de foot, c'est. Normalement, tu risques un peu plus qu'un jaune. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est un peu grave, mais là, on a qu'un jaune. C'était ma première faute, là, oui, t'as été gentil. Allez, peut-être une action, allez, on se relance, voilà, ça joue vite. Allez, un contre un, du un contre un. Allez, passe, la vitesse, la vitesse, la technique, la vitesse, le trip, bien joué. La frappe, oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score, les gars. Et on est là, les gars. On est là, mon premier but à domicile en championnat. Pour notre premier match, c'est bon, les gars, bien joué. Ah ouais, mais là, c'est tous derrière. Là, tous derrière, il n'y a pas photo, je suis tout seul devant, regardez. Putain, ils envoient la balle, mon gars, j'ai trop un bon coup à jouer. Oh, tiens, oui, allez, oh, il s'est loupé, il s'est loupé. Récupère le ballon, récupère le ballon, récupère le ballon, oui. Allez, vas-y, oh, vas-y, la passe, remets-la moi. Non, quoi? Quoi? Franchement, j'avais trop envie de faire un de tacler, mais là, c'était rouge sûr, donc à voir. Enfin, on va éviter. On va éviter. Et on gagne le duel. Ok, hors jeu. Ah, ok, bon. À chaque fois, il nous fait sortir 5 ouais, dans les 3, dans les 5 dernières minutes à peu près. Donc, bon, ça lui fait plaisir. Peut-être pour nous garder frais pour l'autre match, quoi. Donc, les matchs MCO, ça, je m'en bats les couilles. Je vous dis clairement, je vais pas les jouer. Peut-être que, voilà, si je joue pour genre, une Coupe du Monde, un truc du genre, pourquoi. Ouais, non, même pas. Je pense pas. Je veux vraiment avancer dans ma carrière pro, dans mon club, et non une carrière internationale. Donc, après, on verra. Pas pour l'instant, en tout cas. Le mercato, ouais, bon, hop. Ouais, je suis un gros feignant, donc on va passer directement comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Ah ouais, non, il y a encore. Ouais, mais ça, je m'en fous. Question Coupe du Monde, monde de la FIFA. D'accord. Bah, très intéressant, mais. C'est très intéressant, mais ça m'intéresse pas. Ah, Ligue des Champions. On a Salzbourg, je crois, PSV Eindhoven. Ça va, ça va. C'est pas trop du lourd. Après ce que j'ai vu, après, il manque une dernière équipe, donc je suis sûr que. Souvent, c'est, tu vois, il y a toujours au moins une grosse équipe. C'est impossible que je sois meilleur de la poule, tu vois. Tu vois, ils m'ont quand même mis le Barça ou le Bayern, c'est PD. Bref. On avance. Donc, dans la prochaine vidéo, on va jouer un match de championnat. Et surtout, on va débuter la Ligue des Champions, les gars. Donc, ça va être vraiment intéressant. On va voir. On est premier. On est 7ème, je vous raconte. Donc, Salzbourg. Donc, après, voilà, on aura la Corogne aussi. Eindhoven et on a le PSG les gars, cool. Donc bref, je vous dis à une prochaine vidéo les gars, salut.